Bonjour à tous et bienvenue dans la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce dimanche 23 mai 2021, direction l'hippodrome d'Auteuil pour le prix Wild Risk, troisième course de la Réunion 1, où 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus en découdront aux alentours de 15h15. Pour ce très gros handicap divisé de première épreuve portant le label Listed Race, de vieilles connaissances bien connues des turfistes s'affronteront sur la piste très souple d'Auteuil. Sur le parcours de haie long de 3900 mètres, il ne fait aucun doute qu'il n'y aura aucun temps mort et que tous pourront s'exprimer comme il se doit. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la Minute Quintée. En première position, nous retenons le numéro 3, Super Alex. Ce pensionnaire de la famille Dubois est superbement monté par un Bertrand Lestrade toujours autant inspiré à Auteuil. Restant sur plusieurs places d'honneur, il mériterait tout simplement d'enlever son quintet plus. En deuxième choix, le numéro 6, King of Run. Cet élève de Yannick Foin tourne autour du pot actuellement puisqu'il reste sur deux plaisantes places de dauphin. Si Tanguy Andrieux lui donne le bon parcours caché, avec 66,5 kg sur le dos, il doit logiquement faire le show. En troisième choix, retrouvons le numéro 4, Anouma Freedom. Il vient de terminer troisième de la grande course de haie de printemps et n'a jamais été aussi bon qu'à l'âge de 10 ans. Avec Nathalie de Souterre aux commandes, c'est logiquement la chaleur. En quatrième position viendra le numéro 7, Echo de Chandou. Équipé de hier pleine et retrouvant Clément Lefebvre à ses commandes, il peut aller de l'avant et jusqu'au bout de son entreprise. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 5, Grande Taie. Laurent et Mathéo Vielle l'ont toujours tenu en très haute estime. Restant sur 3 tentatives de premier choix depuis le début de l'année, il débute dans les handicaps avec de hautes ambitions. Au 6e rang sera retenue la candidature du numéro 2, Prince du Roum. Il a peut-être montré ses limites dernièrement, mais nous pensons à croire qu'il peut logiquement refaire parler de lui si Joël Boinard le représente au départ d'un quintet plus. En avant-dernier choix, le numéro 8, Texar. Il est mis au point par un David Cotin l'aimant beaucoup. Associé à Kevin Nabet et restant sur une rentrée victorieuse, il peut logiquement monter sur la plus haute marche du podium. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 14, Gold Allen. Théo Chevillard sera le partenaire de ce pensionnaire de Patrice Quinton, qui n'aura pour lui de portée que 63,5 kg. En cas de non partant, le numéro 1, Bonaparte Sizing, présenté par l'habile géant Bertrand Balanda, introduira alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour 1 € sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier, vendredi, la Minute Quintée indique le Quintée Plus en 5 chevaux seulement, pour un rapport malheureusement dérisoire. Pour vous abonner à Prono VIP et profiter de nos nombreux pronostics gagnants, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager cette Minute Quintée. Et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP turf-fr.com.